Thomas Joncourt est l'un des meilleurs surfeurs qu'ait connu la Bretagne. Après une carrière dans le circuit professionnel, il est rentré en pays Bigoudin, la terre de ses aïeuls. Toute l'année, dès que les conditions le permettent, il chasse la vague, parfois loin de chez lui. Il y a quelques années, Thomas a fondé son école de surf à La Torche pour transmettre sa passion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les conditions aujourd'hui, là, regardez. Il y a un peu de vent, ouais. D'où il vient le vent? Non, est-ce de l'est. Donc voilà, nord-est. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la semaine dernière? Il y a un truc qui a changé quand même? La mer monte et elle est quand même déjà assez... haute. Ouais, assez haute. Et ça, ça fait quoi à Porscarne? Quand la marée, elle est haute? Ça fait grossir les vagues. Tiens, bah, tu peux mettre tes affaires dans le CAMS. En fait, on regardait le télégramme. Parmi les jeunes coachés par Thomas, il y a Gabriel, 13 ans, membre du Pôle Espoir Breton. Voilà, le vent un peu et la taille de la houle. Thomas l'a pris sous son aile, il l'emmène régulièrement sur des sites plus techniques. Toi, par exemple, quand tu étais petit, tu n'avais pas des fois le sentiment, quand on surfait ensemble, que je te protégeais par rapport aux anciens, aux trucs, tu vois, genre les longboards, les paddles, ça, c'est du... Tu vois, genre si j'étais pas dans l'eau, ils auraient pris moins de vagues pour ça. Je pense que c'est aussi un truc que je fais beaucoup pour les jeunes. Toi, tu es prêt à sacrifier une bonne vague pour le laisser un petit... Non, mais moi, c'est toute ma vie, ça. Le nombre de fois où je vous ai poussé sur des bombes, le nombre de fois où, bien sûr, j'ai pas l'impression de me priver, j'ai l'impression que c'est mon rôle. Et enfin, des fois, quand il y a une grosse qui arrive dans un bon jour, par contre, là, c'est moi qui pars. Mais que les gamins prennent plus de vagues, ça fait partie de ce que je recherche, de mon plan de vie, quoi. Gab, c'est ça le truc. Il y en a pas mal, ils essaient d'améliorer leur qualité. Et lui, il essaie vraiment de travailler sur ses défauts. Donc il était souvent en échec dans les sessions. Et c'est dur d'avoir la niaque, tu vois, de pas te dire « Ouais, je vais faire ce que je sais faire, et puis du coup, je vais être bon, et machin. » Et non, lui, il surfait tout le temps à 150%. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, il est dans les meilleurs français. Il est dingo, le gamin, quoi. Demain, Gabriel sera peut-être à son tour sur le circuit professionnel. Thomas Joncourt espère parvenir d'ici là à lui transmettre aussi le sens du surf plaisir. Tu vois là, regarde, tu vois là. Mais guette là-bas, regarde la joie là. Tu vois la vague là-bas? Ouais, là-bas. Moi, je vais aller surfer là-bas, moi. Le bonheur, c'est d'être content avec ce que t'as, c'est tout. C'est de réussir de se satisfaire des trucs auxquels t'as accès, quoi. C'est de pas trop vouloir les trucs que t'auras pas, sinon t'es malheureux. T'es bien là. Regarde, y a la mer, y a le soleil, y a les jeunes. On est bien.